d'avoir quand même des courses qui sont intéressantes. Ouais. Rondelle qui revient dans l'enclave, c'est Savoie qui vient toucher à cette rondelle. Et finalement... de la part de Boutin, un jeu compliqué sur la dernière séquence par Charles Boutin. Mainville, bon coup d'épaule, c'est sur Carr. Ça reviendra pour le gardien Pelletier. On marque 10 tirs au but, Yannick, contre 4 seulement pour les Huskies. Comme on l'a vu contre Québec. Je peux remettre au centre directement sur le bâton de Turcotte. Turcotte s'amène 2 contre 1. Passe à Fontaine, tir de Fontaine. Et bon déplacement de Pelletier qui glisse de gauche à droite. 5-5. Passe à Verdon. Verdon au cercle de mise en jeu à la droite. Cherche. Ça sera remise à l'angle. Zonon ne peut tirer. Voilà, c'est un premier tir. Et compte. C'est Savoie qui vient marquer. Et c'est 1-0. But en avantage numérique. À son endroit de prédilection, Sam Savoie. L'ancien des Olympiques qui se fait plaisir. Saute dans la vente, dans la baie vitrée ensuite. Pour saluer ses anciens partisans qui... En temps de le dire, l'aime peut-être un peu moins. Ben, petite, elle. Oui, c'est assez petite, je te le dis. Oh, dans la clave, c'est Lévesque. Lévesque tire. Et goal! Nathan Lévesque, à la mise en jeu, récupère une rondelle. Et c'est 1-1. Rondelle qui sort et vient déjouer le gardien Rousseau qui s'est avancé pour défier le tireur. Et c'est compromis du même coup. Les quatre affaires en l'air, le gardien et... Nathan Lévesque qui en profite, lui, pour inscrire son 23e cette saison. Il va venir sur le bâton de Mainville. Mainville qui passera vers Vaud. Vaud qui va tenter de s'échapper devant Véro. Vaud avec l'ondelle. Fin de tir! Il y aura punition pour les Huskies. Est-ce que ça sera? C'est la punition! Et là, on s'amène... Oui, Mainville qui en a mis beaucoup. Pénalité sur la dernière séquence. Véro qui est venu lui mettre ce bâton entre... Pratiquement au niveau de les Olympiques. Sander Vold au centre de la patinoire vient chercher cette rondelle. Coupera à la droite du gardien Rousseau. Large s'amène dans l'enclave. Vold avec la rondelle, mais les freins oh. Vient faire une chute. Dans, même pas tiré du côté de Sander Vold. A tenté d'y aller de droite à gauche. S'est amené sur l'aile gauche. Passé devant le gardien. Feinte le tir et... En voulant revenir ouais. De l'autre côté. Le gardien Pelletier, contre-attaque, c'est Sander Vold avec la rondelle. Vold avec beaucoup de temps. Passera à Mainville. Mainville, ça tire! Quel arrêt de la part de Rousseau qui vient étendre la jambière à sa gauche et vient voler Mainville. Ondel qui reviendra à Golicic. Golicic attend vers Vold. Passe de trop encore une fois ouais. Dans l'enclave. Aurait pu prendre un tir du côté de Charles Boutin. Contre-attaque de Savoie-Orlel. Savoie passe dans l'enclave. C'est un tir incon. Et c'est 2 à 1, c'est Verdon qui vient marquer. Et l'arrêt de William Rousseau qui prend. Se défaire de la défensive, feinte de gauche à droite, se bute à la jambière du gardien. Les Olympiques qui ratent une autre chance. Ensuite, tu l'as bien dit, passe de trop de la part ah oui. De Charles Boutin. Qui filet. Ah oui, il était battu là. Turcotte n'avait qu'à laisser glisser cette rondelle. Mauvaise remise, Dumas Larouche. C'est un tir, et con. Oh, Dumas Larouche qui échappe la rondelle. Erreur en zone centrale. Et ça permet aux Huskies de s'amener de marquer un troisième but. Et qu'on rate une chance, Turcotte, tout juste avant sur la dernière séquence. D'ailleurs, qui s'est fait ensuite accueillir par l'épaule d'Alexander Gaudio, mais cette fois-ci... On a tenté de faire dévier. Véro était bien positionné devant le gardien. Et c'est la contre-attaque de la part de Boutin. Boutin, un contre un, se défend de la tête française, tiens! Et goal! Et voilà Charles Boutin qui tire! Et c'est 3-2! Les jeux de la semaine de son adversaire, en l'occurrence François James Buteau. Un sucre-lait et ensuite vient mettre cette rondelle entre le bouclier et la jambière droite de William Rousseau. But important dans la première minute de la troisième période. 3 à 2, les Huskies. Sander Vold également. Vold qui travaille devant Beauchemin. Dans l'enclave, tir et contre. Et c'est Carruthers qui vient marquer. Et c'est 4 à 2. Ça devenir depuis quelques minutes. Deux. Et le quatrième trio qui vient chercher un deuxième but dans le match pour les Huskies. Oui, rondelle qui vient percer le gardien Pelletier sous la mitaine.
au-dessus. Ça a donné un certain momentum à l'équipe. 6 victoires de suite. Rondel qui revient derrière le filet. Sandervold dans l'enclave, un tir. Mainville qui s'est fait voler par Rousseau. Et cette fois, c'est du côté de Boutin qui est venu frapper à la porte. Et avec la jambe. On voit ça. Deux tirs de pénalité dans le même match. Et surtout, en désavantage, mais c'est Gaudio qui vient chercher la rondelle. Ça mène du côté droit de Rousseau. Gaudio avec le disque. Attends, feinte et rate. Tire. Et caut! La fin de lancer, Luc. La fin de lancer du revers. Légèrement le bras, lui qui est étendu sur la ligne rouge ou presque, et Gaudio qui vient mettre la rondelle sous le gardien. But très important qui ramène le match à un seul but d'écart. 4-3, les Huskies. Et une des raisons pourquoi le but est bon, c'est que Gaudio a toujours continué sa course vers le gardien, n'a pas stoppé sa course. Exactement, la rondelle qui n'a pas rebroussé chemin non plus, qui a comment continuer à avancer. Il veut rejoindre Dubois. Ça a été raté et ce sera Véro. Véro passe à Borash. Borash vient marquer dans une cage complètement ouverte. Et Serge Beausoleil là, qui fait signe. Ouais, peut-être aller voir la reprise pour un hors-jeu. Et semble assez certain, Serge Beausoleil. Oui, Zachary qui a pris tout de suite la tablette. La tablette dans les mains. Oh, ça va être serré. C'est Véro qui serait hors-jeu. Antonin Véro a fait la passe sur sa droite, mais... Il a continué sa course. Le temps que son coéquipier entre en zone adverse, Borash, Véro qui est bon, ça a changé ça depuis une saison ou deux, peut-être. On ramène encore une fois le gardien Pelletier vers le filet. C'est un tir. On d'équilibre et c'est Boissé à spectacle! Une minute à faire! C'est 5-4, les Huskies! Quel spectacle que nous donnent les Olympiques de Gatineau qui jouent un d'écart. Encore une fois, on profite d'un long retour de lancer donné sur la droite de William Rousseau. Et Justin Boissel le fait très bien. Il fonce au filet et met cette rondelle au-dessus de la jambière du gardien des Huskies, le Roi Noranda. Et Yannick, il y a une minute à faire dans le troisième. Alors, c'est là.